Eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous accueillir à cette session du GRISOF, session en collaboration avec la SPLF, l'EFP et la FIFOG. On est heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Louis-Jean Couder, que vous connaissez parce qu'il est venu déjà plusieurs fois. Louis-Jean Couder est professeur de pneumologie à l'hôpital Foch, à Suresnes, c'est-à-dire tout près de Paris. Il est professeur de pneumologie à l'université Paris-Saclay. Il fait partie de l'UPRES EA220 et de la plateforme de volatolomique exhalomics. C'est intéressant, il faudra qu'on en parle, Louis-Jean. Je ne savais pas que vous aviez cette plateforme. Enfin, le sujet du jour, en tout cas, ce sont les dilatations des bronches de l'adulte, un sujet qui nous embête souvent, il faut bien dire. Voilà, on t'écoute, Louis-Jean. Merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous me dites si vous ne m'entendez pas assez, si il faut que je parle plus fort. Je tiens à remercier Étienne et Yves de leur invitation à pouvoir vous rencontrer, même si c'est une rencontre virtuelle. C'est quand même toujours agréable. Et effectivement, nous allons parler des dilatations des bronches de l'adulte. Là, je vais être clair, je ne fais pas de pédiatrie. Donc, je n'en parlerai pas. Rapidement, les conflits d'intérêts. Avec ce cours, il n'y en a aucun, sinon quelques travaux avec les industriels. Alors, il faut juste qu'on se mette d'accord avant de commencer sur un tout petit peu de terminologie. Dilatation des bronches a un synonyme qui est extrapolé de la langue anglaise, qui est bronchectasie, qui est écrit un petit peu différemment en français, parce que quelquefois, les gens se perdent. Deuxièmement, par définition, quand on parle de bronchectasie tout court, ou dilatation des bronches, ça exclut deux autres maladies importantes, qui est la mucoviscidose, et d'autre part, les bronchectasies de traction que vous connaissez dans les pneumopathies interstitielles, qui peuvent être parfois très importantes, mais qui, comme vous le savez, ne sont pas des maladies des bronches, mais des maladies du parenchyme pulmonaire qui tirent sur les parois bronchiques, les bronches en elles-mêmes n'étant pas malades. Donc, par définition, lorsqu'on parle de bronchectasie ou de dilatation des bronches, ça sous-entend, on ne le réécrit pas, on ne le dit pas à chaque fois, il ne s'agit pas d'une mucoviscidose, c'est une pneumopathie interstitielle. Alors, je vais avoir un plan extrêmement original, avec du diagnostic, une étiologie, une évaluation du pronostic et des traitements. Difficile de faire plus original, mais là, je bille à Étienne qui m'avait dit de faire quelque chose de clinique. Donc, vous verrez, dans la petite heure que j'ai prévue, d'ailleurs, il y a tout un chapitre on n'abordera pas, qui sont, ou très peu, qui sont la physiopathologie de cette entité. Alors, il faut savoir que les dilatations des bronches sont méconnues alors que c'est la troisième maladie respiratoire la plus fréquente, après l'asthme et la BPCO, et que c'est réellement un important problème de santé publique. Donc, c'est un très bon choix, fait par Étienne et Yves, que nous abordions ensemble ce problème. Alors, zut, c'est monté à l'envers. Je vais vous parler d'une maladie toute récente. C'est un vrai scoop. Et là, je me suis permis, mais là, j'ai fait une petite maladresse, parce que moi, j'ai la chance d'avoir ce livre qu'on m'avait offert. C'est une maladie dont ça va bientôt être l'anniversaire. Elle a été décrite il y a deux siècles par Robert Théophile Henri Hippolyte Laennec, que je pourrais éventuellement vous photocopier, parce que ce n'est pas très long le chapitre dilatation des bronches. Il y a quatre observations dedans. Et franchement, on va voir entre nous si deux siècles après, on a fait beaucoup de progrès comparativement au docteur Laennec en 1826. Un tout petit peu, on va se remonter le moral, un tout petit peu, mais pas énorme. Alors, pendant longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose, voire même rien. Donc, c'est pour ça que finalement, personne ne s'y est intéressé. En ce qui concerne les dilatations des bronches, pendant près de 130 ans, il ne s'est rien passé. Voilà. Après, dans l'après-guerre, il y a eu le progrès de l'anatomie, de la radiologie, et donc on a pu avoir des corrélations avec l'apparition des examens radiologiques. Enfin, en 1988, dans la revue américaine de pneumologie, c'était considéré qu'une maladie orpheline n'intéressant personne. Et il a fallu attendre le 21e siècle, c'est-à-dire tout récemment, pour que les premières guidelines apparaissent, les premières ayant été faites en 2010 par nos collègues de Grande-Bretagne, et plus récemment par l'ERS. Donc, on voit que c'est clairement une maladie qui a pris, entre guillemets, son envol sur le plan de la démarche intellectuelle et des travaux depuis le début de ce siècle
et peu auparavant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben voilà, le problème, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une maladie unique, parce que par dilatation des bronches, on peut nommer une maladie, mais souvent, on voit un scanner et on dit, tiens, il y a une dilatation des bronches. Donc, on voit déjà que ce n'est pas très bien défini. Puis c'est hétérogène. Et puis il y a des tas de mots qui sont très mal définis, la colonisation, l'exacerbation. Ce qui a conduit à la publication et à l'analyse, il y a peu de temps, au mois de mars de cette année, d'un certain nombre de définitions de base du diagnostic. Et donc, dans un premier temps, on va reprendre cet épisode sur le diagnostic. Quels sont les éléments du diagnostic? Vous allez voir, ça, ce n'est pas le gros du problème. Le diagnostic, il est quand même très simple. Il est clinique. Et radiologie clinique, vous les connaissez, les signes. On ne va pas refaire la pneumologie. On tousse, on crache, on a des épisodes, on va voir. Il y a une définition qui a été proposée, qui est discutable, mais elle a intérêt d'exister. Des épisodes d'aggravation nécessitant une intervention médicale. Et parfois, il y a un peu de sang. Les autres signes qui peuvent faire suggérer une dilatation des bronches sont importants à connaître, notamment les pneumonies récidivantes, et puis un signe clinique que vous connaissez tous, qui est l'hippocratie digitale. Et comme vous le voyez en bas, vous voyez, je ne vous sors pas des références datant de M. Laennec. C'est Lancet Respiratory Disease du mois de mars de cette année. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le progrès entre 1826 et 2022 est assez modéré sur l'aspect clinique. Ce n'est pas dans la dilatation des bronches que la science a beaucoup progressé. À cet aspect clinique, un aspect radiologique. Alors là, les temps ont changé. Auparavant, il y avait des tomographies, il y avait des bronchographies, des pieux de lait, tout ceci est dans les musées. C'est terminé, c'est le scanner. Le scanner, c'est-à-dire que vous avez des bronches anormalement grosses. Alors, il y a deux types de définitions qui sont retenues. Bon, ben, il faut les accepter avec des gens qui n'ont jamais réellement comparé, c'est-à-dire que votre bronche est plus grosse que l'artère à côté, sachant que qu'est-ce qu'on appelle la bronche? Est-ce que c'est le diamètre interne de la bronche ou le diamètre externe. Comme les parois bronchiques peuvent être un peu épaissies, ça peut être assez différent. Néanmoins, il y a des auteurs qui ont pris l'un ou l'autre. Il n'y a pas réellement d'argument pour choisir plus l'un que l'autre. Deux autres signes, on va y revoir après des exemples, c'est l'absence de diminution du diamètre des voies aériennes au fur et à mesure qu'on s'éloigne et qu'on va en périphérie. Sinon, vous savez, c'est le fameux arbre bronchique. Et puis, une visibilité trop belle des voies aériennes en périphérie. Je vous ai mis la définition chez l'enfant, qui est un petit peu différente, et je ne parlerai plus des enfants, car je suis incompétent. Je signale pour ceux que ça intéresse, qu'il y a eu des recommandations de l'ERS sur les DDB de l'enfant, qui sont parues cet automne. C'est tout. Vous voyez, mon plan est compliqué. Le deuxième point qui est important, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qui cliniquement ne pose en général aucun problème, et c'est ça le point important, et c'est là où les choses ont changé beaucoup, c'est d'avoir compris qu'il ne s'agissait pas d'une maladie, mais d'une entité, et que cette entité peut avoir plusieurs causes. Et donc, une fois que vous avez diagnostiqué la dilatation des bronches chez un patient par les signes cliniques et les signes du scanner, la deuxième partie de votre démarche est de rechercher s'il y a une cause à cette dilatation des bronches. C'est un point extrêmement important, car la cause va pouvoir nécessiter un traitement spécifique. C'est ce qui rend aussi un petit peu compliqué cette maladie, c'est qu'elle est très hétérogène. On va voir les maladies qui sont responsables de dilatation des bronches. Et la dilatation des bronches étant une part d'une maladie, il y a le traitement aussi de la maladie de fond qui va entrer en jeu. Et on va voir que c'est donc compliqué de comparer toutes ces entités, ce qui justifiera le troisième paragraphe tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de faire des groupes un peu homogènes. Alors, quelles sont les étiologies et comment fait-on ? Alors, on va vite se débarrasser des dilatations des bronches localisées. Dilatation des bronches localisées correspond à une obstruction bronchique localisée chronique. Ce n'est pas un truc aigu. Alors, qu'est-ce que c'est? Un corps étranger, ça peut tout à fait arriver. Il n'y a pas très longtemps dans le service, on a eu un jeune ingénieur d'une trentaine d'années qui, rétrospectivement, s'était souvenu qu'à l'âge de 7 ans, il avait inhalé le capuchon de son stylo bille. Une tumeur, mais attention, ce sont des tumeurs bénignes, parce que sinon, le cancer se développe trop rapidement. Donc, ce sont les carcinoïdes, les amartomes, les broncholithiases ou les compressions par des ganglions autour des bronches, comme le fameux syndrome du lobe moyen. Une conséquence clinique, si le scanner ne vous montre pas clairement la
la raison, vous devez faire une fibroscopie pour regarder s'il y a un obstacle endobronchique. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a une dilatation des branches inférieures droites qui était en rapport avec un carcinoïde. Donc, il ne faut pas se contenter de regarder la dilatation des branches sur le scanner en disant « chouette, il a une maladie qui n'est pas trop étendue, elle est localisée ». Il faut, quand c'est localisé, il faut vérifier s'il y a un obstacle endobronchique, si vous ne voyez pas sur le scanner de manière évidente une cause extra-bronchique. Ça, en général, ça ne pose pas de problème. Et donc maintenant, et par extension, on va parler des dilatations des bronches diffuses. Diffuses, c'est par opposition à localisées. Il n'y a pas de critère de diffusion. Ça veut dire que ça survient au moins dans deux lobes. Alors, on va regarder un petit peu quelques tableaux avec les années. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est une des premières séries que je vous ai mis là, qui date maintenant de 65 ans. Et une autre plus récente de Pasteur de 2000. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, il y a à voir surtout qu'il y a 70 ans, il y avait deux causes de connues. La première, c'est « je ne sais pas », et la deuxième, c'est « parce qu'il a été malade quand il était petit ». Et c'était terminé. Il y a 20 ans, vous voyez apparaître une série de maladies, et c'est normal qu'elles n'étaient pas inscrites il y a 70 ans, parce qu'elles n'étaient quasiment pas connues ou très mal décrites. Donc, on voit déjà que les dilatations des bronches ont des causes qui ont changé sur demi-siècle avec l'apparition des déficits immunitaires, de la mucoviscidose. Des ERA, c'est l'acronyme de arthrite rhumatoïde, et CD, c'est les élites du tube digestif. Alors ça, c'est aux États-Unis. Vous retrouverez la même chose en Angleterre. Vous avez ici deux séries. Celle de droite du pas de force, ce n'est pas le lieu qui compte, ce sont les années. Vous voyez, ce progrès continue à se faire parce que la série de Cambridge de la fin des années 90, celle du Brantome de Londres, on voit que petit à petit, dans toutes les séries, la part de ce qui est considéré comme idiopathique, c'est-à-dire où il n'y a pas de cause, diminue. Après, je vous conseille de prendre la plus grande prudence dans la répartition dans les diverses causes, qui sont en général le reflet de l'intérêt d'un groupe pour une maladie. Par exemple, il y a un hôpital à Londres où vous verriez 25% pour les dyskinésies ciliaires, ce qui n'est quand même pas une maladie très fréquente, qui reflète l'environnement hospitalier. Enfin, le point important, donc, c'est la recherche d'une étiologie qui permet de diminuer considérablement ce qui est considéré comme idiopathique. Il y a deux ans au CPLF, il y avait eu plusieurs présentations sur les dilatations des bronches en Afrique, je vous ai récapitulé là. Et vous voyez là ce qui est logique, c'est la part importante des dilatations des bronches secondaires à une tuberculose. Tout ceci est logique, les travaux sont en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Et donc, la prévalence de la tuberculose étant relativement élevée dans certains pays, c'est logique qu'il y ait des conséquences. Donc, attention à l'interprétation des pourcentages, mais tout ça, ça veut dire qu'une cause a été recherchée. En Inde, pays extrêmement important, avec une médecine non pas à deux vitesses, mais à quatre vitesses, vous avez des centres hospitaliers fantastiques, d'autres qui sont, on ne ferait pas soigner son chien, mais dans ceux qui sont équipés, vous avez des travaux qui sont faits, qui sont de très haut niveau, notamment sur les maladies bronchiques, mycotiques, et donc vous voyez l'importance de la tuberculose qui est en cause dans un tiers des cas. Et donc, je veux dire par là que selon l'endroit du monde, il va y avoir des différences dans les étiologies, mais que le principe, c'est quand même de toujours les rechercher. Alors, plus récemment, on peut, ce qui est assez logique, s'apercevoir que selon les régions du monde, en Europe par exemple, on est quasiment à 50% de causes retrouvées autres que idiopathiques, c'est-à-dire qu'il y a une cause. Et à nouveau, en fonction de la tuberculose, dans les pays donc on a vu asiatiques, Maghreb ou en Amérique du Sud, peut être très important. Ce travail qui était intéressant était assez surprenant, mais toutes les choses ne sont pas comptées pareil par l'importance qui était donnée aux maladies hématologiques aux États-Unis. Donc, il y a une certaine variabilité qui incite à prendre avec une grande précaution et les pourcentages de répartition qui sont applicables qu'à la région qui a fait le travail. Alors, je vous propose de regarder quelques exemples, car qu'est-ce qui fait qu'on va rechercher ou pas une dilatation des bronches de telle ou telle cause? Parce que le point important, c'est de faire une checklist
de tout ce qu'il faut rechercher. Alors, on sait depuis longtemps que les vaccinations protègent les enfants contre les maladies infectieuses, diminuent la fréquence des rougeoles et de la coqueluche. Et plusieurs travaux montrent, comme vous le voyez là, que chez les enfants, dans des groupes d'enfants vaccinés ou non vaccinés, la fréquence d'irritation des bronches n'est pas la même. Alors, qu'est-ce qui fait faire le diagnostic? C'est la notion d'une infection respiratoire dans l'enfant. Ça, c'est l'imagerie d'un jeune agriculteur qui avait fait une coqueluche très sévère dans l'enfance. Vous voyez un poumon gauche complètement détruit, totalement détruit, avec ses bronchectasies. Est-ce que j'ai une flèche? Pardon. Vous voyez la flèche aussi? Oui, d'accord. Avec ses bronchectasies très importantes, saculaires, on aperçoit mieux dans les coupes sagittales. Et ça, je vous conseille toujours sur les scanners de ne pas vous contenter des coupes à l'horizontale, mais également sur les coupes sagittales. Ça, intellectuellement, ça permet de mieux suivre l'arbre bronchique, de mieux voir où se situent les anomalies. Et c'est, je trouve, extrêmement agréable. En ce qui concerne les bronchectasies post-tuberculeuses, elles ont été reprises récemment. Il faut noter qu'elles sont particulièrement sévères. On verra tout à l'heure les scores de gravité, avec des hémoptysies qui sont fréquentes et la fréquence de surinfection par des mycobactéries non tuberculeuses. Et ceci, par contre, n'est pas particulier à une région du monde, parce que vous voyez, je vous ai mis trois références. Et donc, que ce soit dans le Middle East ou en Asie, les mêmes constatations sont retrouvées. Qu'est-ce qui, devant une dilatation des bronches, peut vous faire évoquer une mucoviscidose? On a dit que, par définition, c'était exclu. Alors, oui, bien sûr, quand la mucoviscidose est déjà connue quand vous êtes petit. Mais, attention, actuellement en Europe, plus de la moitié des cas de tuberculose surviennent chez des sujets qui sont majeurs. Donc, on peut être confronté à la révélation d'une tuberculose à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui doit vous faire, entre guillemets, tiquer? Il y a plusieurs choses. Premièrement, la prédominance des dilatations des bronches dans les lobes supérieurs, pour des raisons qu'ils ont mal comprises. Enfin, c'est comme ça. Deuxièmement, la fréquence avec laquelle vous avez des colonisations à Pseudomonas aeruginosa ou à Sepacia, qui en général ne s'observent qu'après des années d'évolution, et Sepacia, c'est relativement rare dans les bronchectasies non mucoviscidosiques. Troisièmement, c'est des aspects cliniques, avec l'existence de cas familiaux de dilatation des bronches, et puis surtout des manifestations extrapulmonaires qui doivent être systématiquement recherchées. Un diabète, une insuffisance pancréatique exocrine, une stérilité par une absence de canaux déférents. Donc, voilà les éléments qu'il faut rechercher. Voilà un scanner de dilatation des bronches de l'adulte en rapport avec une mucoviscidose révélée à la trentaine. Là, vous voyez une large prédominance de ces dilatations des bronches avec des parois bronchiques épaissies dans les lobes supérieurs. Évidemment, lorsque vous avez des épisodes d'illus méconium qui vous fait des tableaux subocclusifs à répétition et que le malade il a déjà consulté 6 fois pour des épisodes subocclusifs, toutes les dilatations des bronches ne font pas ça, donc c'est facile. Donc c'est en général assez facile, mais évidemment, comme souvent en médecine, c'est parfois plus compliqué. Vous savez, on ne va pas s'étendre sur la mucoviscidose, que le test à la sueur est le gold standard pour le diagnostic. Alors il est parfois très en faveur du diagnostic, lorsqu'il est très franchement positif. Il est parfois très contre le diagnostic, lorsqu'il est franchement négatif, mais ça n'exclut pas totalement. Et puis, il y a une zone grise. Il y a une zone grise qui se situe entre 30 et 60. Et là, dans un deuxième temps, vous aurez à faire des analyses génomiques pour essayer de voir s'il y a des mutations de CFTR avec une classification des mutations également qui est assez complexe, car toutes ne sont pas pathogènes, et en plus une mauvaise corrélation entre le génotype et le phénotype. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées, mais qui sont en vérité très peu faites parce que complexes, déjà que le test à la sueur, ce n'est pas si simple, qui sont les mesures de potentiel électrique nasal qui sont très peu faites. Donc, il y a quand même des points cliniques simples qu'il faut rechercher. Deuxième grande cause, les déficits immunitaires primitifs. Ça, on avait repris nos dilatations des bronches à Foch. Alors, à Foch, c'est ce que je vous disais, c'est l'exemple typique du biais de recrutement, parce que le service a depuis toujours
comme topic, on va dire, les maladies hémato-immuno. Donc, ça représente dans le service 20% des dilatations des bronches. Et le travail n'était pas de juste faire une photo, mais de regarder, et on va voir pourquoi, l'aspect évolutif. Donc, il fallait qu'on ait un suivi d'au moins 6 ans pour pouvoir se faire notre point de vue, pour comparer comment évoluer les dilatations des bronches qui avaient été associées à déficit immunitaire ou pas. Alors, les déficits immunitaires primitifs, le plus souvent révélés par les dilatations des bronches, c'est tout bêtement ce qu'on appelle les déficits immunitaires communs variables, qui sont révélés par une hypogammaglobulinémie. Il y a quelques autres déficits immunitaires humoraux, donc, qui sont associés, qui sont les déficits en sous-classe d'IgG2. Et puis, évidemment, il y a la gamma-globulinémie, mais qui se révèle quand même extrêmement rarement à l'âge adulte, parce que c'est la gamma-globulinémie brutale et en général une maladie révélée à son pédiatrique. Et les rares cas publiés témoignent plutôt, je dirais, de la médiocrité des docteurs qui ont mis 25 ans à faire le diagnostic, plutôt que la révélation à l'âge réellement adulte et des premiers symptômes. Alors, la particularité, qu'est-ce qui vous aide? À nouveau, la topographie. Ça, c'est un point important. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure pour la mucoviscidose, la topographie de la lobe supérieure. Dans les déficits immunitaires primitifs, la topographie prédominante, c'est au contraire les lobes inférieurs et le lobe moyen. Alors, ne me demandez pas à la fin de la discussion pourquoi, j'en ai aucune idée, personne n'en a vraiment l'idée. Ce n'est pas en rapport avec des troubles digestifs. Et puis, vous êtes aidé à nouveau, si vous avez dans le dossier du patient 4 épisodes de pneumonie à pneumocoque. Ça, c'est sûr que ça va vous aider. Si vous avez des sinusites à répétition, parce que vous savez qu'un des modes de révélation des déficits immunitaires sont principalement les infections des voies aériennes supérieures et inférieures. Mais il faut également noter la fréquence avec laquelle les déficits immunitaires humoraux peuvent se révéler par des manifestations auto-immunes, comme des cytopénies périphériques, anémie hémolytique, thrombopénie, maladies de type lupus. Donc, ça veut dire que le pneumologue doit rechercher à l'interrogatoire ce type d'anomalie. Le gros intérêt, c'est que vous avez traité le malade spécifiquement avec des immunoglobulines, avec, on ne va pas détailler là-dessus, je répondrai aux questions si vous voulez, le but d'obtenir un taux qui soit autour de 9-10 grammes, sachant que les traitements sont beaucoup simplifiés. Pendant longtemps, ils n'étaient que par voie intraveineuse. Ils sont maintenant quasi exclusivement par voie sous-cutanée, grâce notamment à nos collègues canadiens, parce que comme les malades sont loin et qu'il fait froid l'hiver au Canada, les immunologistes cliniciens au Canada ont beaucoup développé la prise en charge à domicile des déficits immunitaires, sachant que c'est plus facile de se traiter soi-même quand il fait moins 20 et qu'il y neige partout. Alors, les traitements ont des effets secondaires sur lesquels on reviendra. Alors, le point important du travail qu'on avait fait, c'était de montrer que les immunoglobulines stabilisent ces malades, alors qu'avant, c'était des malades qui étaient considérés comme de très mauvais pronostics. Troisième groupe de maladies à rechercher, les infections à mycobactérium, non tuberculeuses et notamment avium. Alors ça, ça induit souvent une discussion pour savoir si c'est l'œuf ou la poule. Je veux dire par là qu'une dilatation des bronches post-infectieuses ou sans cause va développer, du fait des altérations de ses parois bronchiques, des épisodes de surinfection bactérienne ou mycotique ou par des mycobactéries. Ça, c'est connu. Mais il y a une entité haute qui est les infections à mycobactéries non tuberculeuses sans facteur déclenchant. Là également, sur le plan de l'imagerie, ce sont principalement les lobes inférieurs et avec une petite particularité, c'est la fréquence avec laquelle il y a des atteintes des petites voies aériennes assez en périphérie. Vous voyez ce que je vous montre là. C'est-à-dire une atteinte péribronchiolaire. C'est-à-dire que c'est à la fois une dilatation des bronches et une bronchiolite. C'est ce qu'on appelle les infections à mycobactéries sans facteur favorisant. Ce sont des gens qui n'ont aucun traitement ni aucune maladie immunosuppressive. Alors là, qu'est-ce qui va attirer votre attention? Le sexe ratio. C'est une immense majorité de femmes qui ont passé la soixantaine et qui ont des petites anomalies morphologiques. Un pectum excavatum, une scoliose et très souvent un prolapsus mitral. Donc, à nouveau, vous devrez rechercher ces signes. Et vous voyez, j'insiste, ce sont des signes d'interrogatoire pour la plupart ou des signes d'examen clinique.
Autre maladie à rechercher, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Ça, c'est très, très important. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est assez particulier. Sur le plan à nouveau de l'imagerie, ce sont des dilatations des bronches proximales, comme vous le voyez là, avec des aspects en doigts de gants, des mucus, hyper denses. Et ça survient en général chez un sujet asthmatique, pas toujours, mais dans plus de 90% des cas. Ça survient en général chez un sujet d'âge moyen, c'est-à-dire de 30 à 40 ans, et qui, dans quasiment 100% des cas, a donc de l'asthme. Vont vous orienter le fait justement qu'il soit asthmatique, le fait qu'il y ait une expectoration un peu particulière avec ce mucus hyper dense qui fait comme des bouchons, qui parfois le soulagent, et parfois il peut y avoir, et c'est difficile sur le scanner de s'en sortir quelquefois, entre des dilatations des bronches et des troubles de ventilation par des actes d'ectasie segmentés ou sous-segmentés en rapport avec les bouchons. Certaines peuvent se lever avec l'expectoration des bouchons. Biologiquement, l'éosinophilie est souvent présente, mais n'est pas constante. Par contre, ce qui est constant, on peut dire schématiquement, si le taux d'IgE est normal, vous n'avez pas une ABPA, c'est un taux d'IgE élevé, très élevé, qui est à plus de 1000. Ce n'est pas non plus très, très élevé. Dans certaines circonstances, on peut avoir jusqu'à 10 000, 30 000. Bon, il y a des déficits immunitaires qui peuvent atteindre 40 000. Et donc, ça, c'est un point important. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous avez quelqu'un qui a un asthme, qui s'est colonisé avec un aspergillus, qui a abîmé ses bronches. Alors, pourquoi c'est important? À nouveau, parce qu'il y a des traitements. Le traitement repose sur des immunosuppresseurs, une corticothérapie orale. Je vous ai mis des schémas, il y en a plusieurs qui sont proposés, auxquels peuvent être associés, à titre d'EHPAD cortisonique, des biothérapies. La première qui a été utilisée, c'est l'omalizumab, un anti-IgE. Plus récemment, il y a eu des travaux avec des anti-IL-5 ou anti-récepteurs à IL-5, le mepolizumab ou le bara. Le but étant d'obtenir, comme pour l'asthme, une épargne cortisonique. La place des anti-aspergillaires n'est pas facile à déterminer, sauf contre-indication, la plupart des équipes la donnent. La durée n'est pas très bien codée. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Oui. Je vais le couper. Voilà. La durée n'est pas très bien codifiée. Elle est fonction de l'évolution, c'est-à-dire on s'attend à ce que les IgE diminuent d'au moins 35%. Après, on va aller dans des maladies où le diagnostic est soit rare, soit plus facile. Les dyskinésies ciliaires, qui sont, vous savez, des maladies complexes en rapport avec des anomalies des tubules des cils. Parfois, le diagnostic est facile. Ce n'est pas moi qui ai mis la radio à l'envers. C'est le malade qui est à l'envers, donc ça c'est facile. C'est donc un syndrome de cartagénaire. Ce sont là à nouveau des dilatations des bronches comme topographie particulière qui sont quasi exclusivement dans le lobe moyen. Et l'autre particularité, c'est l'hypoplasie des sinus qui est également quasi constante. Donc vous voyez que l'examen clinique doit s'intéresser également à l'examen ORL. On l'a vu déjà pour la mucoviscidose, on l'a vu pour le déficit immunitaire et on le voit maintenant pour les dyskinésies ciliaires. Et donc, vous devez également vérifier s'il y a des problèmes d'audition. Et ce sont des tests après qui sont plus compliqués. On va passer les causes post-transplantation, parce que ça, c'est facile. Vous savez que votre malade a été greffé du cœur, a été greffé du poumon, ou greffé de la moelle. Pour ceux que ça intéresse, je me permets de signaler que dans le numéro de mai du Lancet Respiratory Journal, il y a un très joli papier sur la comparaison entre les maladies bronchiques de la greffe de moelle et de la greffe de poumon. Un petit mot sur les maladies systémiques, parce que c'est important, notamment dans les maladies inflammatoires du tube digestif. C'est important parce que les maladies respiratoires peuvent apparaître avant les manifestations digestives, ou alors elles peuvent apparaître assez brutalement lors d'une intervention, une résection digestive. Et c'est assez particulier cliniquement, une fois qu'on en a vu une, on s'en souvient toute sa vie, c'est-à-dire que les sécrétions, les crachats, ne ressemblent pas exactement aux expectorations usuelles, mucopurulentes de la DDB.
car elles sont plus fluides et surtout elles sont très 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 abondantes. C'est très impressionnant et elles sont très difficiles à améliorer. Alors pourquoi c'est important de connaître l'existence de DDB chez quelqu'un qui a une maladie digestive? Du fait des traitements qu'utilisent nos collègues gastro-entérologues et internistes, qui sont souvent des immunosuppresseurs, des anti-TNF ou des anti-IL-6, qui font donc courir un risque infectieux majoré lors de ces traitements. Et c'est la même chose lors de la polyarthrite. Et là également, la polyarthrite, vous savez que c'est très intéressant, les manifestations bronchiques peuvent apparaître au cours de la polyarthrite, mais peuvent également précéder les manifestations rhumatologiques. Et vous savez qu'il y a des théories, enfin plus que des théories, il y a des arguments en faveur de l'origine respiratoire initiale de la polyarthrite rhumatoïde par des antigènes qui créent secondairement des réactions auto-immunes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des tableaux très forts. Et là également, un risque infectieux avec les traitements qui sont utilisés qui ressemblent à ceux des IL-8 inflammatoires. Enfin également, il faut savoir que l'infection HIV, qui demeure une préoccupation d'ampleur mondiale, peut se compliquer de dilatation des bronches. Et vous savez que malheureusement, un certain nombre de malades ont un diagnostic d'infection VIH à un stade avancé tardif. Et donc, la recherche d'une infection VIH doit être systématique. Au cours de l'infection VIH, on avait décrit ça, c'est principalement dans les lobes inférieurs, avec des dilatations des bronches, mais avec des parois qui demeurent assez fines. Alors ça, j'aime bien, parce qu'il y a eu, sous l'égide de Chalmers et Albertini l'année dernière, cette grande mise au point sur les dilatations des bronches, qui insiste vraiment beaucoup, et comme je l'ai fait là, parce que j'ai choisi d'y consacrer la moitié du temps qui m'était octroyé, c'est l'importance de rechercher une étiologie. Et je l'ai mis en anglais parce que je trouve que c'est bien. On ne trouve que ce qu'on trouve et que ce qu'on cherche. Et si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Et donc, ça, c'est vraiment un point important. Ils concluaient leur article là-dessus. Et donc, ça, j'insiste à nouveau sur la nécessité de rechercher une étiologie chez quelqu'un qui a une dilatation des bronches. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Premièrement, regarder le scanner, comme on l'a vu au départ, pour faire le diagnostic. Et puis, regarder dans quelle partie du parenchyme pulmonaire prédomine l'atteinte bronchique. Après, la deuxième chose, c'est surtout l'examen clinique et l'interrogatoire. C'est ça qui est le plus important, mais elle doit être faite de manière schématique, systématisée. La recherche d'une histoire familiale, la recherche des antécédents respiratoires, la recherche des maladies autres, ORL, digestives, rhumatologiques et les troubles de la fertilité. Ça, évidemment, si vous avez des signes extra-pulmonaire, ça va vous orienter et vous devrez compléter pour affirmer ou infirmer s'il s'agit d'une dilatation des bronches associée à de ces autres maladies. Sur le plan des examens biologiques, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Que recommande l'ERS? L'ERS recommande une numération formule sanguine, une électrophorèse des protéines, des dosages d'immunoglobuline, très bien, un examen microbiologique de l'expectoration pour vérifier s'il y a du pio ou du sépatia, la recherche de mycobactéries dans l'expectoration, et puis un bilan qui, comme vous l'avez compris, est la recherche d'une ABPA avec des IgE, une sérologie aspergillaire. À Foch, on fait exactement pareil, auquel, comme on est un peu plus intéressé, on rajoute des dosages de souplage d'immunoglobuline, quelques auto-anticorps, la sérologie VIH, qui me semble être un oubli, je l'avais écrit, ils n'ont pas publié très fort les recommandations de l'ORS, et puis une imagerie des sinus. Alors ça, il faut faire attention, c'est parce qu'on a la chance de pouvoir faire des imageries très peu irradiantes. Il faut faire attention aux imageries des sinus chez les jeunes, parce que ça irradie au niveau des yeux. Et puis alors, à part, quand il y a des signes extra-pulmonaires, comme de la fertilité, une hypoplasie des sinus, là où vous hésitez entre mucoviscidose ou maladie ciliaire, ben vous faites les examens complémentaires nécessaires dans ce sens. Mais on ne les fait pas de première attention. Vous voyez, c'est un bilan qui finalement est extrêmement simple, qui est principalement clinique, mais qui est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous trouvez une cause, vous avez en face un traitement spécifique. Et donc, c'est ça l'intérêt. Les pièges, c'est la durée dans le temps. Et ça, c'est ça qu'il faut expliquer aux patients. C'est-à-dire que vous pouvez n'avoir aucun argument la première fois où vous voyez le malade pour une maladie systémique ou une maladie inflammatoire du tube digestif, mais il faut l'en prévenir, qu'il faut le revoir dans 6 mois, 1 an,
car les signes peuvent apparaître secondairement. Troisième partie du travail du pneumologue, essayer d'évaluer la sévérité de la dilatation des bronches. Alors, ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a des épisodes aigus. Alors déjà, qu'on appelle les exacerbations. Alors là, déjà, il faut définir ce qu'on appelle une exacerbation. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît lors des BPCO. Sauf que là, c'est encore pire pour réussir à se mettre d'accord. Alors, finalement, c'est l'association d'un malade et d'un médecin. C'est-à-dire que le malade doit avoir des signes qui sont aggravés, que ce soit l'atout, le volume de l'expectoration, ça vous rappelle ça, les critères d'Anthony Sen de la surinfection de la BPCO, la dyspnée, une fatigue, un malaise, une hémoptie, et le docteur qui considère qu'il doit faire quelque chose. Alors là, on voit bien que ça fait deux variables extrêmement variables entre le docteur et le malade, mais c'est comme ça que c'est défini. Donc, ça rend très difficile l'évaluation des diverses thérapeutiques, parce que, on va dire, ce n'est pas de la science très dure. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui sont différents des autres parce qu'ils font franchement des exacerbations fréquentes. Et donc, quel est le facteur de risque de faire des exacerbations fréquentes? C'est déjà d'en avoir fait une. C'est exactement ce que vous connaissez pour la thrombose veineuse. Celui qui a thrombosé rethrombosera. Celui qui a exacerbé va réexacerber. Ben là, c'est pareil. C'est le même raisonnement, si je peux me permettre. Ce n'est pas la même physiopathologie, mais c'est le même raisonnement. Alors, c'est ennuyeux parce que c'est un facteur de franche gravité, on va le voir tout à l'heure, de faire des exacerbations. Donc, le but des traitements va être d'essayer de diminuer ces exacerbations. C'est exactement ce à quoi vous êtes habitué également dans l'asthme. Alors, il y a deux scores de gravité qui ont été faits. Un qui a été fait par nos amis britanniques, le Bronchectasy Severity Index, le BSI. Alors, comme ça, quand on le lit, on se dit, oh là là, c'est vachement compliqué. Alors, dans la pratique quotidienne, sauf si on est très intéressé par les DDB, c'est difficile, mais néanmoins, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de choisir un des deux, parce qu'il y a plein de travaux qui les ont comparés, on verra tout à l'heure, parce que sinon, vous n'aurez pas un suivi palpable de votre malade. Et puis, vous allez voir, il y a des thérapeutiques qui nécessitent de pouvoir juger de l'aggravation et qu'on sait juste raconter de manière pifométrique, on ne s'en sort pas. Alors, les paramètres qui sont pris en charge sont l'âge, l'index de masse corporelle, le VEMS vis-à-vis de la théorie, la colonisation, le score de Dyspnée, l'extension radiologique, le nombre d'exacerbations et le fait d'avoir été hospitalisé. Alors, ce score n'est pas si simple à faire dans la vie, mais il est indispensable. Il y en a un autre qui a été fait par des collègues espagnols qui s'appelle le FACED, ou le E-FACED, E parce qu'ils ont rajouté exacerbation. Alors, il faut savoir aussi, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent aux dilatations des bronches, que vous ne pourrez publier aucun travail si vos malades ne sont pas scorés comme ça. Parce que sinon, ça ressemble trop à n'importe quoi. Alors, pourquoi c'est, outre ça, c'est important, vous allez voir, parce que sur l'aspect thérapeutique, on a du mal à s'y retrouver dans l'efficacité des traitements. Mais ça, c'est logique, parce que si on dit dilatation des bronches et un traitement X, je reviens en arrière, avec des malades qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme si vous proposiez le même traitement à quelqu'un qui a un cancer, qui a un petit rond sous la clavicule ou qui arrive d'emblée avec 14 métastases. Tous les deux, ils ont un cancer bronchique. Mais si vous proposez le même traitement, ben, c'est pas malin. Et bien là, c'est ce qui se passe. Si on ne classifie pas les malades, on propose le même traitement à des gens qui ont des maladies qui n'ont rien à voir. Donc, il faut absolument essayer de s'y retrouver. On arrive bien à le faire en cancérologie, parce que ça a des applications thérapeutiques qui sont connues depuis longtemps comme majeures. On ne le fait pas encore assez dans les maladies respiratoires chroniques, parce que jusqu'à il y a un certain temps, ça ne changeait pas grand-chose sur le plan thérapeutique. Maintenant qu'il y a des médicaments, des biothérapies, des techniques chirurgicales complexes, il faut s'habituer à faire une espèce d'évaluation palpable, mesurable, de la sévérité. Donc, on a vu qu'il y avait comme critère de gravité ce qu'on a vu sur le plan respiratoire général. Et puis, il y a un autre critère qui sont les comorbidités. Alors, c'est un autre critère qui s'appelle le passif que je vous ai détaillé là.
parce que c'est également un point important, car il s'agit d'une population plus âgée que les asthmatiques. L'âge moyen usuel de diagnostic de la dilatation des bronches est exactement celle du cancer quelques années près selon les pays, c'est-à-dire le début de la soixantaine. Donc, des comorbidités cardiaques diverses. Et donc, ça, c'est un point très important. C'est un point très important et on a du mal, et c'est un défaut qui a été fait, parce que vous voyez dans les deux scores que je vous ai montrés, ça n'apparaît pas. Alors que c'est important. Et qu'il y a des différences de sévérité selon l'étiologie. Donc, il y a des gens qui ont essayé de faire des clusters, avec des groupes de malades, tenant compte à la fois des comorbidités, de la DDB et de l'âge. Alors ça, je trouve ça très intéressant. C'est à nouveau nos collègues espagnols. Il faut souligner, je ne sais pas s'il y a des collègues espagnols ou hispanophones qui écoutent, que ce groupe fait des travaux exceptionnellement intéressants et originaux. Pour essayer de prévoir l'évolution de ce groupe de malades, ceci pour ceux qui sont assez jeunes, dans le but éventuellement, on va le voir tout à l'heure, de leur proposer une transplantation. Ce n'est pas juste pour ça. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant, et de plus en plus, on voit comme ça ces analyses par cluster, avec des DDB qui prennent pour compte le sexe, l'âge, les étiologies, ça c'est intéressant, et les comorbidités. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est assez difficile, mais sur un plan au niveau individuel, mais c'est quand même très important. Ceci nous permet de commencer à discuter des traitements. Là, les traitements. Alors les traitements, je vais vous choquer. On va commencer par les traitements physiques. La kinésithérapie. Je pense que moi, vous tous, lorsqu'on a quelqu'un qui a une vraie DDB, on lui propose de la kinésithérapie. Tout le monde en a l'air content. On a de la chance que les autorités de santé ne suivent pas toujours tous les trucs très précisément parce que qu'est-ce qui montre que ça sert à quelque chose ? Ah, vous me direz, c'est tellement évident que ça sert à quelque chose que personne ne va vouloir en faire un groupe sans. C'est logique. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de littérature qui montre que ça sert réellement à quelque chose. Que dit l'ERS ? Paul Verino, c'est la personne qui a coordonné les recommandations de l'ERS. Et donc, il est très prudent. Jérémy, en anglais. We suggest, c'est-à-dire nous suggérons. Après, c'est nous recommandons 8 semaines après une exacerbation. C'est fait, on n'ose pas dire que ça ne sert à rien, on n'ose pas dire que ça sert beaucoup, donc on suggère, on recommande, mais les niveaux de preuve est extrêmement faible. Mais je suis comme les autres, hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en faire. Bon, là, il y a un truc, on sait que ça ne sert à rien, c'est tous les DNA, ça, au moins, c'est même délétère. Ce n'est pas très logique que ce soit délétère, mais enfin, il y a un papier de plus, donc on n'en parle pas. Le sérum physiologique. Voyons, là, on n'est pas dans des trucs trop chers. Le sérum physiologique qu'on fait de temps en temps, avant la séance de kiné pour que les gens toussent. Ben, d'abord, vous voyez le niveau des études. C'est 30 malades, 40 malades, 80. Les résultats sont quasiment négatifs. Et d'ailleurs, qu'est-ce que disent les recommandations ? Ça ne sert à rien. Grosso modo, on va dire que ça ne sert à rien. Bon, il va peut-être y avoir quelque chose qui sert à quelque chose. Allez, antibiothérapie, allez. Ça semble logique parce que je vous ai dit, il y a souvent une surinfection, là, ça entretient l'inflammation, des exacerbations, il y a des relations entre la charge bactérienne de l'expectoration, les manifestations cliniques. Donc, s'il y a un médicament qui diminue la charge bactérienne, ça va améliorer l'inflammation. Donc, ça devrait aller mieux. Sur le plan du rationnel, non discutable. D'autant plus que la charge bactérienne est élevée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de belles études. Elles sont toutes petites. Et puis surtout, elles ont pris un sacré coup de vieux depuis 10 ans parce qu'elles ont considéré que les surinfections étaient uniquement bactériennes. Alors que, ben non, elles sont bactériennes et virales, voire même que virales. Alors, les antibiotiques usuels, les bêta-lactamines, les quinolones, n'ont
quasiment pas d'efficacité antivirale. Donc, on voit qu'on considère qu'une surinfection est bactérienne parce que le malade, qui d'habitude est colonisé à tel ou tel pathogène, a une infection bactérienne. Mais maintenant qu'on fait des PCR multiplex très aisément, on s'aperçoit que 20% des gens ont également des présences de virus respiratoires. Alors, il y avait une revue de la littérature dans la JRCCM il y a 2 ans qui montrait qu'il y avait une efficacité microbiologique d'antibiothérapie inhalée. On me dirait, c'est assez logique. Par contre, l'efficacité clinique, elle est très, très faible. Très, très faible, voire même dans certains travaux, inexistants. Très récemment, quand je dis très récemment, c'est le mois dernier, il y a une revue de la littérature sur la tobramycine inhalée. Alors, une revue de la littérature sur 7 études qui s'installent sur 25 ans. À nouveau, une efficacité microbiologique, une diminution du nombre des exacerbations sévères, mais pas d'efficacité sur les autres paramètres. Et là, on peut souligner ce contraste, c'est-à-dire que ces traitements, tobramycine inhalée, est recommandé chez les patients ayant des DDB colonisés apio, aussi bien dans les recommandations anglaises que l'ERS, mais qu'à l'inverse, la FDA et l'EMA, l'Agence européenne du médicament, ne les ont pas autorisés dans cette indication du fait d'absence d'études prospectives montrant clairement l'efficacité, du fait aussi qu'il y a des bronchospasmes dans 3 à 5% des cas. Donc, alors qu'il y a un rationnel, a priori, fort pour diminuer la charge bactérienne en espérant que ça améliore, que ça casse cette espèce de cercle infernal, les résultats cliniques à l'heure actuelle sont plutôt décevants. Mais, quand même, un aspect positif, il y a d'autres types d'antibiotiques, notamment les macrolides. Alors, les macrolides, des médicaments très intéressants, qui sont maintenant beaucoup utilisés. Alors, comme vous le savez, les macrolides ont été utilisés dans les dilatations des bronches après avoir montré de manière assez surprenante et quasiment sans le vouloir leur efficacité dans une maladie rare qui s'appelle la pambronchiolite japonaise où les gens avaient été métamorphosés par la prise de macrolides. Alors, il y a quelques différences entre les macrolides à 14, 15, 16 valences. Il y a des différences in vitro d'efficacité, non pas microbiologiques, mais anti-inflammatoires. Si on les met sur des cultures de cellules, on voit que certains sont un peu plus anti-inflammatoires que d'autres. Bon. Les trois principaux sont l'azithromycine, l'azithromax et l'érythromycine. Et donc, il y a eu des études qui étaient assez concluantes, l'efficacité des macrolides qui ont été publiés maintenant il y a 10 années et qui donc fait que vous comme moi, compte tenu en plus d'un prix de médicaments très raisonnable, ces produits sont largement distribués aux sujets ayant des DDB et initialement une colonisation apio. Récemment, Chalmers a repris, il est accédé aux data individuelles des 3 études que je vous ai montrées, les a réanalysées. Et là, il a trouvé des résultats vraiment très intéressants qui montrent que les macrolides améliorent la qualité de vie, diminuent les exacerbations, ça on le savait, n'améliorent pas le VMS, ça on pouvait s'en douter, mais ils sont actifs dans tous les sous-groupes qui aient ou non du PIO et qui aient ou non des exacerbations. Et donc, il suggérait de modifier les recommandations de l'ERS en disant qu'il devait être proposé à la plupart des malades en l'absence de contre-indication. Alors, comment ça marche, les macrolides? Ça marche sur plusieurs aspects. Je vous ai schématisé. Ceux que ça intéresse, là, il y a un papier qui est sorti en décembre dernier d'une pharmacologue pulmonaire anglaise très connue qui schématise très bien le mode d'action et puis tout ce qui n'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, je ne vous l'ai pas mis. Leur principal mode d'action, c'est l'inhibition de la migration des leucocytes dans les poumons. Et ça, c'est un point important parce que finalement, c'est ça qui fait que ça diminue l'inflammation. Et donc, c'est ça le point le plus important. Et puis, c'est actif sur l'immunité innée, c'est le deuxième point important.
avec une orientation, excusez-moi, une orientation, la polarisation des macrophages vers un phénotype M2. Vous savez qu'il y a deux types de macrophages, M1 et M2. Les M2 sont schématiquement ceux qui ont plutôt une activité anti-inflammatoire avec pas mal d'IL-10, une puissante cytokine anti-inflammatoire. Le deuxième point sur les macrophages, c'est que les macrolides améliorent leur capacité de phagocytose, on va dire, de manger les résidus, que ce soit des bactéries, des cellules épithéliales, des polynucléaires altérés. Donc ça, tout ça, c'est excellent. Et enfin, ils diminuent la durée de vie des neutrophiles. Donc le rôle des macrolides est principalement sur l'immunité innée, macrophages, neutrophiles, neutrophiles en diminuant leur durée de vie et en les empêchant d'aller dans les voies aériennes. Sur l'immunité adaptative, un point important, ça ne modifie pas la production des anticorps. C'est probablement une des raisons pour lesquelles, malgré qu'il y ait un effet immunomodulateur, il n'y a pas une augmentation des épisodes infectieux. Parce que si, évidemment, ça empêchait la production des anticorps, on devrait s'attendre à ce que ça favorise les épisodes infectieux à pneumocoque ou à hémophilus, car vous savez qu'on se défend contre ces germes encapsulés, principalement avec l'immunité humorale. Voilà schématiquement comment on peut résumer les effets, excusez-moi, il manque un âge, immunomodulateur des macrolides, donc principalement sur les neutrophiles, sur les macrophages, d'une manière moindre sur les cellules dendritiques et lymphocytes. Attention, je me permets de rappeler pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est tellement prescrit larga manu maintenant les macrolides, que ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires. Digestifs, c'est embêtant mais c'est repéré, cardiologiques. On rappelle que c'est ça peut être source de procédures judiciaires. Il faut un ECG de référence. Attention si ce malade, qui est souvent un malade de la soixantaine, plus ou moins cardiaque, a des antiarythmies. Attention à l'atteinte de l'acuité auditive à la longue. Donc, essayez d'avoir, si je ne dis pas d'un sujet jeune, un audiogramme de référence et le surveiller. Attention à l'aspect dermatologique. Il peut y avoir des éruptions sévères. Ce n'est pas des layoles, mais c'est des éruptions vraiment sévères. Et je signale également, parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, qu'il faut être prudent si votre malade a une hémopathie myéloïde ou qu'il a été greffé. Donc, il y a quand même des effets secondaires, ça nécessite une surveillance, parce que c'est un traitement de plusieurs mois, donc c'est vraiment à prescrire avec le malade qui comprenne bien et avec son médecin traitant. Il y a un autre type d'antibiothérapie, on a vu donc l'antibiothérapie inhalée, on a vu les macrolides. Alors, les pédiatres, font un truc que nous, médecins d'adultes, on ne fait jamais, c'est-à-dire, pof, allez, je te donne 15 jours d'antibiotiques tous les deux mois. C'est ce qu'ils appellent les antibiothérapies prophylactiques intermittentes. Alors, en général, nous, les médecins d'adultes, on ne le fait pas parce qu'on se dit que ça va induire des résistances. Pas spécialement, d'ailleurs, dans les DDB, c'est pareil dans aucune circonstance. Alors, il n'y a pas énormément de choses là-dessus. Chez l'adulte, il y a 8 essais randomisés qui ont été analysés par la Cochrane, qui concluent de manière prudente. C'est-à-dire, c'est un peu efficace quand même, et c'est surtout la ciprofloxacine qui a été étudiée. C'est assez logique parce que c'est un bon médicament anti-pio, mais au prix d'une augmentation de la fréquence des pio devenant résistants. Donc, mais ce sont des effectifs qui étaient certes importants, parce que 400 malades, 1600 malades, mais en vérité, ils les ont regroupés. Il n'y a pas un seul vrai beau travail qui démontre clairement l'efficacité ou l'inefficacité. Donc, la Cochrane dit qu'ils ne peuvent pas conclure, ce qui n'est pas pareil que de dire que ça ne sert à rien. Et pour finir sur une note optimiste, vous avez des malades qui peuvent avoir besoin d'être transplantés. Alors, ce n'est pas fréquent, parce que justement, ce sont des malades qui sont en général âgés. Et le mois dernier, il est paru dans l'Open ERJ, la plus grosse série de transplantations pulmonaires dans cette indication, ce qu'auparavant, il y a 4 séries de 25 à 45 malades. Là, ils ont repris sur 20 ans, 25 ans, les transplantations bipulmonaires aux États-Unis. Alors, vous voyez, c'est petit en termes de volume, ça fait 4,5% des transplantés. Des gens, alors, ils ont des gens particulièrement jeunes dans cette maladie. Les 4 autres séries avaient plutôt des sujets de 57 à 60 ans. On peut noter que c'est quand même un comble.
mais c'est assez récent, les malades ne sont pas scorés, c'est ça, vaut le bazar, mais la survie est bonne, 87 ans, 87% à un an, la moitié, et ils les ont comparés à des sujets du même âge, transplantés bipulmonaires pour d'autres étiologies, c'est pas différent. Donc, on peut faire transplanter bipulmonaire des sujets ayant une insuffisance respiratoire. Vous voyez qu'ils avaient un VMS moyen à la greffe qui était de 24%. Alors ça c'est sûr, on le sait. Il peut y avoir des cas particuliers. Nous, il y a des sous-groupes à nouveau particuliers, mais qui ne sont pas non plus des contre-indications. Ce sont, par exemple, les malades qui ont des maladies bronchiques après une greffe de moelle, qui sont en rapport avec la GVH. Si celle-ci n'a pas d'atteinte extra-pulmonaire, les malades peuvent être transplantés, donc très sélectionnés, mais avec des résultats identiques aux autres. Alors en France, vous voyez, c'est pareil, ça représente un tout petit lot de malades, parce qu'ils sont dans les divers, avec tout un tas de trucs, et donc il y en avait 12. Alors pour conclure, le diagnostic. Le diagnostic, il est clinique. Et ça, c'est simple, on a vu. Et tomodensitométrique. Donc ça, il faut être copain avec son radio. Deuxièmement, et là j'insiste, il faut une checklist dont la recherche est clinique des causes qui vont permettre d'aboutir à un traitement spécifique. Ah, pourquoi j'ai fait ? Attendez, le truc est parti, voilà. Donc il faut, parce qu'on n'en suit pas non plus des centaines, essayer de faire l'effort après la consultation, parce que parfois c'est un peu long, de faire un scorage de son malade. Il faut penser à rechercher régulièrement les maladies infectieuses qui colonisent les bronches, bactéries, champignons. Quand je dis régulièrement, les recommandations oscillent entre tous les 6 et 12 mois, plutôt 12 s'il ne se passe rien. Faire attention aux comorbidités. L'intérêt des macrolides avec les petites réserves d'usage qu'on a vues. Il y a des rares indications chirurgicales, mais c'est vraiment dans les DDB localisés et pas dans les DDB diffuses. Et puis, c'est intéressant parce que quelquefois, le pneumologue, ben, il a fait un diagnostic d'une maladie systémique, donc on est plutôt content. Et c'est une prise en charge qui doit être expliquée au patient, c'est-à-dire qu'elle va être poursuivie jusqu'à ce que mort s'en suive pendant des années. Voilà, donc les points qui ont beaucoup changé, alors qu'il ne s'est rien passé pendant 20 ans, c'est deux. C'est la recherche des étiologies. Et puis, un point qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, parce que par ailleurs, Étienne m'avait dit de faire quelque chose de clinique principalement, ce sont les diverses hypothèses physiopathologiques. Alors, je peux vous en dire un petit mot oralement. On va dire que vous savez que c'est principalement une maladie qui est en rapport avec une inflammation persistante. Ça, c'est l'idée qu'on s'en fait. Qu'en fonction de la maladie sous-jacente, les mécanismes peuvent être un peu différents. D'autres hypothèses fortes existent. Vous savez qu'il y a le concept de ce qu'on appelle les maladies muco-obstructives des voies aériennes, qui associent finalement toutes nos maladies chroniques dans le même lot, asthme, BPCO, DDB. Ce n'est pas faux, parce qu'il y a des cas particuliers qui le démontrent très clairement. Par exemple, il y a certaines mutations de gènes qui régulent la mucine qui induisent des DDB. Donc ça, c'est une espèce de modèle expérimental comme un déficit immunitaire. Après, il y a d'autres hypothèses sur le rôle de molécules immunosuppressives qui ressemblent à celles qui sont sécrétées par les femmes lors de la grossesse et qui induisent une tolérance immunitaire et qui sont retrouvées à des concentrations plus élevées dans les liquides de lavage alvéolaire que dans le sang périphérique. C'est les protéines G, ce qui est également très intéressant. Et puis, à part, il y a des DDB de causes particulières qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, qui sont peut-être des maladies entre guillemets auto-immunes avec des anticorps anti-cytoplasmes, des polynucléaires neutrophiles, ou de manière entre guillemets paradoxale, le traitement va être un traitement anti-inflammatoire puissant, c'est-à-dire des anticorps monoclonaux anti-B, rituximab. Et puis il y a des formes particulières de DDB avec l'asthme qui sont apparues récemment. Jusqu'à présent, c'était pas très clair, mais là il apparaît clairement qu'il y a certains DDB qui sont aïosinophiles, et donc de même que on a vu qu'il y avait des étiologies différentes de DDB, je pense que
il y a possiblement des physiopathologies différentes de DDB. Alors, c'est encore un petit peu mouvant, mais si Étienne me réinvite à faire un topo sur ce thème dans 2 ans, je pense que ça sera plus clair, notamment sur les molécules immunosuppressives. Eh bien, voilà, ça fait 1 heure qu'on discute, enfin que moi, je parle tout seul, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Le diaporama sera à votre disposition, je pense, par Étienne. Et je vous remets la première diapositive s'il y a quelqu'un qui a une idée qui lui arrive a posteriori. Comme ça, vous avez mon mail qui va apparaître. Poum, 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 poum. Le voici, le voilà. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Mais je ne sais pas si vous avez... Merci. Merci. Merci beaucoup, Louis-Jean, cet exposé de très, très haute qualité. Merci beaucoup. J'inviterai les gens, si les gens ont des questions à poser, vous pouvez lever la main sur votre écran et puis je vous passerai la parole. Oui, je vois qu'on a déjà des gens, donc... Habib, tu veux ouvrir ta caméra, ouvrir le micro et poser ta question. Habib, oui, c'est bon là, vous me voyez? Oui, super. Oui. Eh bien, alors d'abord, je voulais remercier tout à fait Louis-Jean pour être toujours aussi clinicien pour l'eau, c'est très important. Et le plus clinicien des hôpitaux universitaires français, certainement. Et je voulais. Non, 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 pas du tout, c'est Étienne. Non, pas du tout. Et féliciter aussi pour cette approche qui, à mon sens, est très utile pour nous parce qu'elle nous met au diapason peut-être le plus moderne de l'approche des bronchiectasies, des dilatations de bronches, que je pense de toutefois très d'influence anglo-saxonne, et elle rate un peu notre vieille chère école française de nos maîtres, et, depuis l'ENEC, et puis ça s'est transmis, où on avait une opposition pour nous qui a été très utile, je pense, pragmatique, c'est l'opposition entre dilatation de branches localisée et dilatation de branches diffuses. Parce que franchement, on vivait des problèmes quand on avait des DDB diffuses, c'était vraiment pas chercher l'étiologie, souvent l'interrogatoire en arrêtait là, mais on gérait le risque d'hémoptysie, le risque infectieux, et souvent on avait une certaine relation avec le chirurgien thoracique parce que parfois ça aboutissait carrément à une opération quand ça jeûnait trop ou quand il y avait un risque d'hémoptysie abondant. Je vois que ça a disparu parce que, bon, ma gêne, c'est que pour nous, Africains surtout, il y a un coût de ce bilan étiologique. Certes, quand on a une expertise clinique, on saura choisir que faire, mais pour les plus jeunes, quand ils sont devant des dilatations de branches, s'ils n'enlèvent pas toute cette partie de DDB local, et des dystrophies bronchiques dues à la tuberculose, aussi clair, cliniquement, on n'a pas besoin de faire plus, ils risquent de s'embarquer dans des bilans étiologiques très coûteux pour le pays, et c'est dommage. Donc, je pense que c'est une influence anglo-saxonne qui nous pousse vers une maladie plutôt dans le sens interniste, mais c'est quand même dommage pour la prise en charge des malades, surtout dans les pays africains. Dernière chose, juste féliciter Yves, comme Canadien, de survivre à une température de 23 degrés. Et c'est une bonne adaptation pour le Caire. Et je serai là si jamais il y a un problème de chaleur avec Yves. Merci. Merci, alors, mon ami. Merci, mon ami. Alors, Habib, tu as entièrement raison. Et c'est pour ça que d'emblée, j'avais expliqué qu'il fallait distinguer les dilatations des bronches localisées. Dilatation des bronches localisées, cause locale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis revenu à la fin sur la dernière plaque, en rappelant que la chirurgie pouvait se discuter, mais pour les maladies localisées. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi, s'il y a une complication particulière. Et je pense, par contre, que les exérèses itératives des gens qui ont des dilatations des bronches diffuses sont en général peu productives, voire difficiles et dangereuses. Et donc, ça, c'est vraiment un point important, c'est l'intérêt du scanner. La distinction entre les maladies localisées, cause locale, zéro niveau de discussion, et puis les maladies diffuses. Ça, c'est effectivement un point très, très important. J'aimerais passer la parole à Youssef, qui est en Syrie. Youssef, tu as la parole. Si tu es capable, tu mets ta caméra et tu ouvres le micro. Youssef, est-ce que tu m'entends?
Bon, écoutez, je peux peut-être poser une question qui est, je dirais, fidèle à mon habitude, qui ne sera peut-être pas très, très clinique, mais comme je connais Louis-Jean, je pense qu'il va aimer. Tu as dit tantôt, Louis-Jean, qu'il y avait une prépondérance chez la femme après 60 ans. Est-ce qu'on sait s'il y a une relation avec la ménopause, les estrogènes, les choses comme ça? Alors, il y a une prépondérance pour les dilatations des bronches en rapport avec les infections à mycobactéries non tuberculeuses. Ah, oui. D'accord. Alors, la réponse est oui. Il y a un rôle avec, effectivement, le tissu estrogénique, tout à fait. OK. Mais c'est uniquement pour ce petit cadre qui est extrêmement intéressant parce que pour être franc, c'est un petit sous-groupe, qui, moi, m'a passionné depuis une quinzaine d'années. Et je pensais qu'on allait pouvoir régler le problème, entre guillemets, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des déficits en interférons, etc., qui développent ce type de maladie. Mmh. Donc, je pensais qu'on allait retrouver des mutations plus modestes, mais la même chose. Alors, on a étudié avec Émilie Catrino, 100 malades. Eh bien, on a 0 sur 100. Donc là, quand tu as 0 sur 100, c'est peut-être pas la peine d'assister, d'en faire 200, parce qu'on aura encore 0 sur 200. Ouais, donc, en vérité, et c'est assez complexe, l'équipe de Steve Holland au NIH est en train de montrer que c'est probablement une maladie de la bronche et non pas une maladie systémique, ce qui est intelligent, parce que... mais pas que de la bronche, des gènes qui régulent la fibriline. Et la fibriline intervient également dans la croissance osseuse. Oui. Et c'est comme ça qu'il suggère qu'il y ait ces discrètes altérations, enfin, ces discrètes modifications du morphotype avec un petit faux scoliose, un peu de pectum excavatum. Et donc, c'est en cours d'étude, mais c'est très intéressant. OK. Vas-y, Youssar, la parole est à toi. Mais c'était exceptionnellement intéressant, M. Couder, merci beaucoup. Mais j'ai vu un nombre. Vous avez dit quand l'aspergillose prend un copulmonaire allergique, les éosinophiles plus de 100. Alors, normalement, on lit toujours 300, je ne sais pas. Vous avez émis un chiffre un peu haut d'éosinophiles par rapport à ce qu'on voit dans toutes les publications. Alors que c'est peut-être une faute de frappe, je m'en excuse. Si vous le dites, d'accord. C'est sûrement vrai. d'accord. Si c'est une faute de frappe, on l'a vu. Voilà. Vous l'avez bien repéré. Il faudrait la corriger. Merci beaucoup. Oui, nous, les femmes, nous repérons. Vous voyez, c'est féminin. Ah ben ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, la prochaine conférence est justement la répartition du sexe dans les examens en médecine. Louis-Jean, tu vas trop vite. T'enlèves pas mon scoop. Je m'en viens avec ça dans quelques minutes. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle avant que, parce qu'il est déjà 17h16 et donc il nous reste que quelques minutes avant de perdre le lien. Étienne, est-ce que tu veux dire un mot avant que je donne le mot de la fin? Non, mais j'étais intéressé par ce que tu as dit, Louis-Jean, j'étais intéressé par ce que tu as dit sur les antibiothérapies. Moi, j'ai quelques années de retard maintenant dans la littérature dans ce domaine. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de la tofamycine sous toutes ses formes. Je vois que ça a disparu finalement. Non, on ne peut pas dire que ça a disparu. Hein. La tobra, elle a une AMM pendant la myco, oui. Et on est surpris qu'elle ne soit pas aussi efficace dans les DDB non myco. D'accord, donc tu nuances. Il y a tout un rationnel pour que ce soit efficace, mais ça l'est beaucoup moins pour des raisons que je ne connais pas, pour le franc. Les PIO ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut bien voir ça. Le PIO de la muco, les PIO des DDB, ce n'est pas les mêmes, ils sont plus ou moins mucoïdes. Moi, ce que je pense, c'est qu'en vérité, compte tenu de l'hétérogénéité, on n'a pas le détail des protocoles, de savoir si les malades sont vraiment bien comparables. Et donc, normalement, je pense qu'il y a des sous-groupes de malades sur lesquels ça devrait être
franchement efficace. Mais si tu fais tout à l'eau, c'est impossible. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et puis probablement aussi que ce qui est intéressant, c'est d'arrêter l'aggravation des gens. Parce que certes, on voudrait améliorer les gens. Mais déjà, arrêter l'aggravation, c'est pas mal. Par exemple, les immunoglobulines, pardon, intraveineuses chez, ou sous-cutanées chez les, ceux qui ont des déficits immunitaires, ça les stabilise, hein, ça ne ça leur remet pas les bronches à l'état neuf. Et finalement, les médicaments qui coûtent assez cher qu'on utilise dans un autre contexte qui sont les fibroses pulmonaires, ça n'améliore pas. Aucun n'améliore les malades. Ça diminue leur aggravation. Donc moi, je pense qu'il y a sûrement des malades qui se stabilisent ou qui diminuent très peu leur VEMS avec ces traitements. Le problème, c'est de mieux définir les sous-groupes. Et à la limite, franchement, je comprends les autorités de santé qui disent, mais débrouillez-vous pour faire un essai nous disant dans quel sous-groupe de malades les l'aptobras. Parce qu'il y a quand même aussi des effets secondaires de l'aptobras. Il y a 10% de gens qui toussent, encore plus qu'avant, et ça crée 2, 3, 4% selon les études d'hospitalisation pour effets secondaires. Donc, voilà, c'est enfin, en tout cas pour zéro. Oui, pour nos amis qui soignent des patients à ressources limitées souvent, savoir que les macrolides, c'est une véritable réhabilitation des macrolides. Quand les macrolides, c'est une révolution. On en parle depuis longtemps, mais moi, je n'avais pas la notion que c'était aussi clair aujourd'hui. Ah oui, c'est très peu cher. C'est la bonne nouvelle de la décennie. Ah oui. 15 minutes. OK. Parmi les gens, je vois qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est parce que vous voulez faire une petite publicité, mais je m'adresse à M. Mohamed Lamine qui semble vouloir montrer quelque chose, une activité qui aurait lieu autour du 28 juillet. Est-ce que vous voulez prendre la parole, monsieur Lamine? Bon, écoutez, donc c'est peut-être moi qui étais dans l'erreur. Ben écoutez, je vais encore. Excusez, vous nous entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Allez-y. Très bien. Bonjour. Bon. Je suis médecin en cours de spécialisation de pneumologie à Conakry. Au revoir, à Conakry. Donc, on a comme fait BDS de pneumologie. OK. En fait, j'ai vu dans les étiologies qu'aux États-Unis, la greffe de la moelle faisait partie des étiologies des dilatations des bronches. Je voulais que vous nous élucidiez un peu la lanterne sur le mécanisme d'installation de ces DDB en cas de greffe de la moelle. D'accord. Merci. Bien sûr. Alors, vous avez raison, c'est une question tout à fait intéressante. Alors, pour faire simple, lorsque vous avez une greffe de moelle, on vous change votre système immunitaire. Pourquoi ? Le but, c'est de se servir de l'effet anti-leukémique, anti-tumoral, ce qui va reconnaître comme étrangère les résidus de cellules tumorales. Donc, c'est intéressant, sauf que l'inconvénient, c'est qu'il va également reconnaître comme étrangère les constituants normaux de votre corps. C'est ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'hôte. Ça s'appelle, en anglais, c'est graft versus host disease, GVHD. Alors, vous avez une forme aiguë qui survient dans les quelques jours après la greffe, et puis vous avez une forme chronique. Alors, la forme chronique, elle a un mécanisme complexe dans lequel on ne va pas intervenir, mais elle va finalement induire une espèce d'inflammation au niveau principalement des voies aériennes distales. Donc, ça crée d'abord une bronchiolite et qui va aller plutôt de manière ascendante. C'est-à-dire, elle va remonter l'arbre bronchique et à la fin, vous allez avoir des dilatations des bronches. Les autres organes qui sont touchés sont le tube digestif, suivant le même mécanisme, la peau, les yeux. Et ça reproduit un petit peu un syndrome sec. C'est des syndromes qu'on peut appeler soit syndrome pseudo-Jolvin, soit des pseudo-sclérodermies qui peuvent être parfois très, très douloureuses pour les malades. Le mécanisme, c'est par l'intermédiaire de la GVH, ce qu'on appelle la réaction de greffon contre l'hôte.
Et donc, la bronchite. Voilà le mécanisme. D'accord. Okay, écoutez, il est 11h22. Okay. Merci beaucoup. Si vous permettez, j'aimerais faire quelques petites annonces avant qu'on nous quitte. Faire quelques petites annonces, si vous permettez. Le 12 mai prochain, toujours dans le cadre de nos conférences GRISOF, SPLF et FIFOG, nous aurons le plaisir d'avoir Hélène Salvatore, qui est pneumologue et qui va aborder un sujet tout à fait, au goût du jour, celui du biais de genre dans l'enseignement médical. Donc, le biais de genre, c'est quoi? C'est pas seulement la relation homme-femme, mais c'est tout ce qui gravite autour de ça, tout le contexte, je dirais, socio-environnemental, comment la personne dans son environnement peut être jugée différemment par des différents biais, et elle va adresser cette question-là dans l'enseignement médical. Donc ça, c'est le 12 mai prochain. Le 9 juin, nous aurons Louis-Philippe Boulet, pneumologue de l'Institut de cardiologie de Québec, qui va faire le point sur le GINA 2021. Et après ça, les conférences vont prendre un petit repos de quelques semaines, et puis nous allons certainement vous revenir en septembre, mais il va y avoir une pause juillet et août probablement. J'aimerais aussi, avant de terminer, vous inviter, pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous avez vu qu'il y a un nouveau sigle qui est apparu dans nos conférences, celui du GRISOF. GRISOF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire groupe de réflexion internationale sur la science ouverte francophone. Ceux qui suivent un petit peu nos activités, vous savez qu'on a un bulletin mensuel depuis janvier 2020. Ce bulletin-là est en train de changer de forme parce que la pandémie est en train de, je vais employer le terme essouffler, mais en tout cas, espérons que je ne me trompe pas trop. Mais toujours est-il que le bulletin est en train de se réorienter avec de nouvelles lignes éditoriales axées sur la science ouverte francophone. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, bien, écoutez, allez sur le site grisoff.org. Et vous verrez, vous pouvez devenir membre, etc. Ben, c'est tout pour moi. Donc, sur ces quelques mots, encore mille merci à Louis-Jean. Et je retiens une autre chose de ta conférence, mon ami, c'est que tu aimerais être réinvité dans 2 ans, mais fie-toi à moi que ça ne prendra pas 2 ans. Ça va aller plus vite que ça. Merci à tous de votre attention et à bientôt. Oui, je voulais rajouter un petit mot, si tu veux bien, Yves. Oui, vas-y. Tu as parlé de la rentrée. On est en train d'organiser le programme pour le dernier trimestre 2022 déjà. Et on veut réintroduire des séances de cas cliniques. Donc, si vous voulez organiser ces séances de cas cliniques, manifestez-vous. Je sais que les gens de Dakar ont l'habitude de le faire. Il y a eu des séances de cas cliniques à partir de Conakry, à partir de Ouaga. Donc, ce serait tout à fait intéressant que l'un ou l'autre d'entre vous monte une séance de cas cliniques, peut-être en regroupant d'ailleurs des cas cliniques identiques sur plusieurs centres. Ça, c'est la première chose. Oui. Habib, je te lance le défi, mon ami. Organise une ou deux séances de cas cliniques pour la session d'automne. De la même façon, on va faire des séances de cas cliniques chirurgicaux, c'est-à-dire en gros des staffs chirurgicaux, où là, bien entendu, ce sera plusieurs centres, où vous pourrez venir avec vos dossiers, et ce sera certainement intéressant. L'autre point, c'est qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, il y a des noms, je m'excuse, que je ne connais pas ou que j'ai oublié depuis quelque temps. Si vous voulez, si vous n'êtes pas sur notre liste de diffusion, vous pouvez vous manifester auprès d'Yves ou auprès de moi et on va vous rajouter, il n'y a aucune difficulté. Et bien entendu, vous pouvez communiquer, vous pouvez demander à ce que vos amis fassent partie de cette liste. Il n'y a pas de limitation. Voilà, nous serons toujours heureux de vous accueillir. Merci et au revoir. Eh bien, revoir. Jean-Louis, Louis-Jean, un grand merci et à bientôt à tous. Au revoir. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.